أحياء القصبة اليوم تكتسي الأوساخ والقاذورات بعدما كانت رمزاً للأصالة والنظافة. بوسائل بسيطة تمكن شباب متطوع من ولوج أزقتها الضيقة لتنظيم حملة تنظيف بالتنسيق مع جمعية القصبة. qu'on a déjà organisé dans le cadre du volontariat, basé sur véritablement des actions volontaires de jeunes. Alors, les jeunes que vous voyez là sont de familles diverses, certaines aisées, d'autres modestes, ce qui prouve que les jeunes aiment accomplir des actions comme ça, et notamment par le fait qu'ils ont été sidérés par les monticules d'ordures et par ces, véritablement cet aspect vraiment indigne d'une ville millénaire, mémoriale. الحملة أعلن عنها من خلال شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وتم حشد متطوعون من مختلف الأعمار من بينهم أجانب أبوا إلا أن يشاركوا في هذه العملية مجسدين روح التضامن والعمل التطوعي. Cet événement est ouvert à tout le monde. C'est vraiment pour les passionnés de l'Algérie, de la culture algérienne, du patrimoine qui est laissé à l'abandon. Et voilà, donc l'événement est paru sur Facebook. Normalement, c'est accessible à bon nombre de gens. Comme vous le remarquez, la quantité n'y est pas. C'est un peu décevant, mais ça ne nous empêche pas d'avancer, de travailler. Voilà. C'est juste un collectif, un groupe d'amis. Voilà, on a des initiatives à cas depuis 2-3 ans. On prend Jeha ou Nopo. C'est vraiment bénévole. Et voilà, on invite tout le monde à participer. Bon, c'est un peu difficile, c'est vrai, avec la chaleur et tout, c'est pas facile. Mais on est obligé de le faire. من بين الحلول المقترحة لتوعية المواطنين والتخلص من هذه المشاهد مشاركة مختلف فئات المجتمع في هذا النوع من الحملات. Pour 100 kilos par jour de gravats, 100 kilos à sa charge. Je te dis, 100 kilos pour une entreprise, 100 kilos, c'est deux sacs. Il y a quatre gars. Ça vous fait 12 tonnes par jour et ça vous, par 20 jours de travail, ça vous fait 240 tonnes par mois. Adamakan. Il y a une petite solution de 3 fois. هي مبادرة تستحق الإشادة بها، علها تكون سنة حميدة لتعمم على باقي الأحياء.